les Ayessa, les Mvouba, les Fila, les femmes des députés élus, n'ont pas choisi leurs parents ni leurs maris. Mais le problème, c'est l'idée que tout ce beau monde se fait de l'honneur. Ce jeu de mots au Burkina Faso, c'est la jeunesse qui détient le pouvoir. Et au Congo, c'est le pouvoir qui détient la jeunesse. L'auteur Guélor Fortuné Pouabou annonce la couleur en évoquant une jeunesse qui subit les conséquences néfastes des crises multidimensionnelles et protéiformes qui secouent son pays, le Congo. Quand le niveau est bas, sur les réseaux sociaux, je vois des professeurs d'université qui mettent, qui publient les photos de leurs étudiants de Marien Wabi, bourrés de fautes, mais lui-même dans son commentaire aussi, le professeur d'université, bourré de fautes. Vous avez lu les lettres de Moutoudou. J'ai lu une préface. J'ai descendu un livre récemment, celui de Anatole Kolyné-Makosso. Je ne conçois pas l'action ou la réflexion politique en fonction du résultat à venir, mais parce que le devoir d'être originaire du Congo, un pays poisseux, oui, je le dis, m'y oblige. Afrique Lit TV, c'est du sérieux. Afrique Lit TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.